juste regarder la vue de l'appart. Genre vraiment c'est trop beau, incroyable. Trop beau. Bonsoir à tous, ici Camille Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Ouais, qualité un petit peu nulle puisque je filme avec mon téléphone, j'ai pas pris mon appareil photo. Du coup, je m'appelle Camille, je suis en deuxième année de médecine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là je suis en voyage avec ma promo, voilà on est en voyage au ski. Du coup on a un gros voyage de promo, c'est trop bien, on est 200 à partir au ski. 250 je crois. À partir au ski, donc le bazar que vous entendez, bah c'est eux. Chouette. Mais du coup voilà, donc là hier on a fait le trajet, donc comme d'habitude j'étais en retard. Donc je suis arrivée en courant, j'ai fini par pas être au final en retard, j'étais en retard sur l'heure à laquelle on devait arriver mais pas sur l'heure de départ, donc j'étais encore en avance pour l'heure de départ. Donc ça allait, et après bah, le bus, voilà, donc c'était un peu cool le bus, on a parlé et tout. C'était grave bien, il y avait grave une bonne ambiance et tout, surtout au début. Et voilà, ensuite on a dormi, et ensuite le lendemain, on est arrivé à 15h, ici, ou 14h, au ski. Et là, depuis, bah, on a attendu, on a récupéré les chambres, on a été chercher nos affaires de ski, on a préparé à manger, etc., etc. Enfin voilà, et demain commence la vraie journée de ski, j'ai trop hâte, et je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Voilà, je sais qu'il y a des voyages au ski en P2 Med et D1 Med dans pas mal de facs, donc ça pourrait être intéressant pour vous de voir un peu les petits trucs qu'on peut avoir en Med, voilà. Et faites pas attention à ma tête, entre la qualité trop nulle et le stress, l'alimentation dégoûtante et la fatigue de ces derniers jours, ma peau ressemble à rien. Vraiment, c'est une catastrophe, voilà. Bonsoir à tous, ici Camille Vlog, de retour dans la suite du vlog. Donc là, nous sommes actuellement le 29, je crois. On est dimanche ou lundi. Et aujourd'hui, on va faire du ski toute la journée. Hier, c'était trop bien. Je vous fais un petit récap de ma journée, tout ce qui s'est passé et tout. Et voilà, mais grossièrement, le matin, je suis restée avec mes potes, ils savaient pas trop skier et tout. Et je les ai aidés à skier. Et l'après-midi, je suis allée faire des pistes rouges et c'était trop bien, voilà. Hello, bon, en attendant que mes potes arrivent de retour dans la suite du vlog, du coup hier, après on est allé en soirée, voilà, il y avait des soirées et tout, donc c'était assez sympathique. Puis après nous sommes rentrés je crois, et j'ai pas été me coucher tard parce que pareil, genre, j'étais fatiguée comme la veille, et du coup bah, voilà, j'étais super sans me coucher. Et ce matin on a fait du ski, donc j'ai fait du ski avec mes potes, et voilà, et c'était grave cool, on a fait plutôt des pistes bleues et tout. Et là cet après-midi je vais aller un peu skier avec mes potes qui skient archi bien. Voilà, du coup on va aller faire des pistes rouges et c'est cool. Bonsoir à tous, ici Kanya Finlog, de retour dans la suite de ce vlog. Là nous sommes mercredi je crois. Et je suis en train de skier toute seule puisque mes potes n'en avaient marre et tout, du coup elles ont pas été skier ou elles ont été skier ce matin, etc. Mais là il est 15h et je suis toute seule, voilà, en vrai, genre je suis contente d'être toute seule, enfin c'est trop bien de skier avec mes potes, etc. Et c'est trop cool de skier avec elles ce matin. Mais là je sais pas, genre je suis contente d'avoir ce petit temps pour moi et tout, juste toute seule dans la montagne à réfléchir et tout, j'aime trop les paysages, c'est trop beau. Hier soir, il y avait une soirée mais je suis pas allée. Je suis allée au début, genre là en gros il y a une soirée qui commence à 19h je crois, et du coup je suis sortie de 19 à 23 en gros, et à partir de 23 j'avais la flemme, genre vraiment j'avais pas envie, flemme de rentrer à 2h ou 3h ou plus pour devoir se réveiller le lendemain pour skier, ou alors pas, justement pas se réveiller et pas aller skier. Du coup je suis juste restée chez moi dans mon lit à dormir, voilà, j'ai lu un livre et j'ai dormi. Et voilà, sinon la journée d'hier on a été à Pralou, c'est une autre station qui est à côté. Et on s'est baladé et tout, c'était trop cool. Genre vraiment c'était trop cool. On a vu plein de nouvelles pistes et tout.
Et les paysages étaient trop, vraiment cette station, j'aime beaucoup les paysages, ils sont extrêmement beaux. Et voilà, hier du coup à la soirée il y avait bière gratuite, donc j'ai bu des bières, chouette. Et voilà, c'est tout pour moi, je m'en vais skier et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Devinez qui est stupide et donc part à la montagne avec presque tout seul, avec presque plus de batterie et pas de plan et rien. Voilà, hein. On se demande tous quand l'heure, une heure avant que les sièges ferment, on se demande tous qui peut être assez bête pour faire ça. Mais voilà, bref, c'est parti. En vrai, je pense pas, parce que j'ai repris des pistes que j'ai déjà prises maintenant, je devrais pas me perdre, mais bon, on sait jamais, j'ai plus de 4G aussi accessoirement. Yes! Mais voilà, bref, c'est tout. Pour moi, je suis trop laide et la qualité photo. Catastrophe, je crois que mon téléphone doit être sale. Et voilà, c'est tout pour moi, je vais skier et je vous retrouve plus tard. Partir faire des rouges toute seule aussi, parce que c'est pertinent finalement. On adore, top. Donc ce soir, je crois qu'on fait soirée raclette et ça c'est cool, ou soirée tartiflette et ça c'est cool. Bonjour, Dominique qui s'est dit, ah, j'ai le niveau, vas-y, je vais partir sur une piste noire. Et, se retrouve avec 30 minutes à descendre la piste parce que du coup, elle a peur. Juste Dominique qui sait, et puis qui, évidemment, s'est trompé, en fait. Donc, il est parti sur la piste noire, est sorti de la piste sans faire exprès, et s'est retrouvé à faire du hors-piste, alors que déjà, elle essaie de pas faire une piste noire, et qu'elle est toute seule. Voilà, hein. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à faire du hors-piste. Donc, là, la piste, en soi, la piste noire, elle est pas si dure. Genre, ça va. Mais c'est sûr que quand tu fais le hors-piste qui est à côté, c'est pas pareil du tout. Du coup voilà, bref, je vais vous montrer la piste, mais en vrai ça va, genre la piste noire en elle-même sauf le début, sinon ça va, c'est sûr que c'est... Voilà du coup, encore sans la piste, en vrai elle est pas si impressionnante, enfin, du coup ça vient de tout là-haut là. Et bref, en vrai ça va quand on voit comme ça, la rue ça ferait plus pentu. Bon, j'ai profité du télésiège pour vlogger un petit peu, en gros ce qui s'est passé c'est que là je viens de faire une piste noire, alors que de base j'en fais jamais et que je suis pas non plus une skieuse de ouf, mais j'étais avec une pote et vas-y viens et tout, en vrai la valeur c'est dur, on l'a fait et tout. Du coup je fais vas-y go. Donc je commence, je vais en première parce que c'est moi qui skie le mieux des deux. Et après j'arrive, j'avais trop descendu pour pouvoir remonter et elle me dit en fait non je peux pas la faire. Genre je me sens pas, du coup je dis ok bah moi trop tard tu vois, du coup je vais la descendre. Donc j'ai descendu la piste, voilà. Et en fait je me suis trompée. Désolée, ce cache saturé ça a coupé et du coup au final en fait je me suis rendu compte que j'étais sortie de la piste. Donc je suis revenue dans la piste. Et en vrai ça allait, enfin franchement quand t'étais sur la piste sauf le début qui était un petit peu difficile, mais sinon le reste allait, ça se faisait tout. Bon je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau en ski entre guillemets, enfin bon, j'ai pas l'impression de dire que je skie bien, c'est pas vrai, je skie pas bien, mais je skie pas mal non plus, genre je sais skier et voilà. Et du coup bah j'ai réussi à tout finir finalement, mais plus jamais voilà. Bref, c'est tout pour moi. Sinon hier soir on a je suis pas sortie encore en fait, finalement je suis quasi pas sortie la semaine, genre j'ai fait que les victoires à chaque fois. Genre je sortais jusqu'à 23h, ensuite j'allais me coucher, où je traînais un petit peu, je prenais la douche, etc. Et voilà, mais hier soir j'ai même pas fait de before. Genre avec une pote du coup on a regardé une série, c'était très très cool. Et ce matin on est parti skier dans une autre station, donc on s'est baladé et tout, on a fait un peu toutes les pistes. C'était vraiment super cool, j'espère que vous entendez parce que le bruit du télésiège, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire en fait. Ça, mais ouais. Sinon la semaine, en vrai j'ai bien profité, j'ai passé pas mal de temps avec mes potes, j'ai skié avec pas mal de groupes de personnes, donc ça c'est cool, j'ai pu vraiment parler à plein de gens et je pense bien sociabiliser avec des gens de ma promo et tout. Et voilà, si vous avez suivi mes vlogs TikTok, on pétait derrière tous les jours, je skie avec des gens différents, on dirait que je suis une personne archi sociable alors que tellement pas, genre je suis archi solitaire et tout. Et voilà, c'est tout pour moi, je sais pas si ma pote m'a attendu du coup, mais parce qu'elle n'était pas descendue cette piste, elle n'a pas descendu cette piste. Et voilà, j'espère que vous ça va. Moi ça va, les vacances de ski, du coup c'est fini demain. Et c'était très cool, c'était très très cool. Je suis en train de... Je suis désolée quand je vlog, je regarde ma tête, donc ça peut pas être agréable pour vous en fait, parce que je regarde pas la caméra du coup. Et voilà, sinon bah, c'est pour moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt demain. Prochain vlog, enfin dans la suite de ce vlog. Vous voyez la pente là? Bah c'est ça que j'ai fait, genre la grande pente qui part du sommet. C'est ça, voilà, et ensuite ça va tout là, on voit pas, mais dans le trou là. Chouette, c'était top, c'était totalement mon niveau, lol. C'est ça que j'ai fait là, ça.
ça. Voilà, PLS. Jusqu'en bas, là, tout en bas. Et c'est hyper dur, en vrai. Ça est encore même pire dans la vraie vie que sur la vidéo. Donc voilà. Hello, c'est la Camille du montage. Donc là, je suis rentrée depuis une semaine à peu près. Et je suis en train de monter ce vlog. Une semaine, j'abuse. Si en vrai, il est... si en vrai, on est jeudi. On est jeudi, je suis rentrée dimanche. Presque une semaine. Et je suis en train de monter ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai bien pu envoyer la vibe de ce que c'est le voyage au ski. Bon, il y a plus de soirées que ce que j'ai montré puisque j'en ai fait aucune. Voilà. Enfin, j'ai juste fait des biforts. Mais je ne suis pas du tout sortie. Et en soi, si vous n'êtes pas fêtard, bah, vous pouvez faire comme moi et ne pas sortir. Et si vous êtes vraiment fêtard et tout, et bien sachez qu'il y a des soirées littéralement tous les soirs. Donc en fait, de en gros 18h jusqu'à, je sais pas, 3, 4, 5 heures du matin, il y a des soirées si vous voulez. Donc voilà, sachant que vous pouvez partir un peu quand vous voulez. Il y a d'abord des biforts dans les... il y avait d'abord des biforts dans les apparts ou alors dehors. Ensuite, il y avait soirée au bar et ensuite, il y avait soirée en boîte pour ceux qui voulaient. Donc voilà, il y a juste ça que j'ai pas trop montré dans mes vlogs puisque je ne l'ai pas fait. Mais voilà, sinon j'espère que quand même j'aurais pu bien vous montrer ce que c'était le voyage au ski des médecines. C'était trop cool, genre vraiment trop cool. J'ai parlé à plein de gens, il y avait une super ambiance, les gens étaient super sympas. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.